Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je te dis. Toi, tu vas voir, toi. Toi, tu vas voir, toi, tu vas voir ce que je vais te faire, toi. Espèce de petit. Espèce de petit. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je te dis. Ferme ta gueule, là, espèce de merde. Tu vois ce que je vais te faire à la récré, toi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur. Ça va très bien. Merci. Merci. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible d'aller chez le directeur à la récréation? Oui, parce que Jonathan, il arrête pas de m'embêter. Jonathan, il arrête pas de m'harceler. Donc, je voudrais me plaindre à monsieur le proviseur. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bon, bah, une fois de plus, j'ai envie de te dire... Les politiques, la télé, TF1 en l'occurrence, et le reportage de 7 à 8 avec Crespo Mara dans la voix off, pour la voix off. Une fois de plus, on nous prend pour des abrutis finis. Une fois de plus, on nous détourne des sujets principaux de ce qui nous concerne, nous, les Français, en première ligne, c'est-à-dire la vie tout court, tu vois, la vie des Français. La vie de plus en plus chère, les services public de plus en plus dégradé, de moins en moins de travail, de plus en plus de chômage, de plus en plus de pénibilité. L'essence, la vie au quotidien est de plus en plus chère. C'est ça qui nous concerne, nous les Français. Moi, j'en ai rien à faire de Didier Bourdon et de son film qui fait un flop. Bien fait pour lui. J'en ai rien à faire de leur histoire d'harcelé ou d'harceleur. Parce que je vais te raconter la vraie histoire, moi. Enfin, la vraie histoire. Selon comment moi, j'ai été chercher, j'ai été voir... Bref, je vais te raconter l'histoire, moi. Gabriel Attal, hier, sur 7 à 8, est en train de pleurer comme une... Pleurer comme un petit bébé dans les jupes de sa maman, tu vois. En train de t'expliquer qu'il a été victime, lui, quand il était à l'école alsacienne de Paris, dans le 6e arrondissement de Paris, une école ultra riche. Bref, riche ou pas, on s'en fout, mais c'est pour la précision. Il explique, et il t'explique, il nous explique, donc il nous prend pour des abrutis, qu'il a été victime d'harcèlement, d'homophobie, de violence. Bref, je t'en passe. J'ai envie de te dire une seule chose, c'est faux. Et c'est archi faux. Encore une fois, un ministre du gouvernement de Macron est LGBT, teubé plus X, là, je sais pas quoi. Bref, c'est leur problème, c'est leur orientation, ils font ce qu'ils veulent. Et je tiens à apporter une petite précision. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il n'a jamais été victime d'homophobie. Par contre, à force de crier au loup, toujours crier au loup, il y en a beaucoup qui vont finir par ne plus y croire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça ne sert pas la cause des vrais homosexuels qui se font, pour eux, réellement, pour le coup, harceler, que ça soit à l'école, au travail, peu importe l'endroit. Tu vois? Je trouve ça dégradant et dégueulasse. Je trouve ça miskin, tu sais, bas, tu vois, très bas. De se victimiser alors que c'est pas vrai, tu vois. Alors que t'as des tas de victimes qui, eux, pour le coup, sont des vraies victimes et qui n'ont pas le moyen de s'exprimer ou de faire changer les choses, tu vois. Ça, je trouve ça hypocrite, tu vois. C'est pour ça que ça m'énerve et que je te fais cette vidéo. Bref, il dit qu'il a été harcelé. Il dit qu'il a subi son... Jusqu'à ce qu'il aille à l'école polytechnique, je sais pas quoi, il était à l'école alsacienne. Jusqu'à ce qu'il parte de l'école alsacienne, il a été moqué, humilié... Il a vécu une scolarité des plus malheureuses. Oh, mon pauvre Gabriel Attal. Non, mais attends, on se fout de la gueule de qui? C'est le harceleur qui devient harcelé? C'est le bourreau qui devient harcelé? C'est comment, Gabriel Attal? Hein? C'est comment? Double jeu? On ne sait pas sur quel pied danser? Alors, peut-être que ça t'a fait tourner la tête, je ne sais pas. Dans cette fameuse école aussi alsacienne, il y avait aussi... La chanteuse qui est aujourd'hui connue, Joyce Jonathan, tu vois. Bref, tu vois, voilà, c'était un petit groupe comme ça, ils se connaissaient, ils se fréquentaient. Il y en avait d'autres. Hein. Il y avait aussi Juan Branco, le fameux avocat là, qui fait polémique. Bref, je ne prends pas la défense de Juan Branco dans cette vidéo, ni encore moins celle de Gabriel Attal, tu l'auras compris. Mais ce n'est pas pour défendre Juan Branco. Hein. Juan Branco, hein. Juan Branco, il a des casseroles au cul aussi. Il a fait des choses qui ne sont pas très... Pas très luisante, j'ai envie de dire, tu vois, pas très reluisante, je sais pas, tu vois. Mais là, le sujet, c'est Gabriel Attal et sur ses énièmes pipo. Pipo, pipo. Pipo, pipo, comme il dit Hanouna, là. Pipo, pipo, tu sais.
C'est eux les gros pipeaux, mais ils te disent et ils accusent les gens. Ah, pipo. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, une fois de plus. Donc, Gabriel Attal, lui, à l'époque, quand il était à l'école alsacienne, 2005-2007, il tenait un skyblog. C'est plus Juan Branco qui tenait ce skyblog, mais il était dedans et il y participait activement. Entre autres, il donnait des notes à des filles. Oui. Si ça, ça s'appelle pas de l'harcèlement, si ça, c'est pas être méchant, je sais pas, Gabriel. Hein, mon petit Gabi, tu me dis, hein. Dans ce fameux skyblog, il mettait des notes et il mettait des commentaires. Je suis pas un enfoiré. Tu vois, je vais pas mettre les commentaires là, je t'en mettrai un ou deux limites. Si, tu vois, je les ai vus, hein, c'est pour te dire. Skyblog, école, ça existait encore à l'époque. École alsacienne, Paris, 6e arrondissement de Paris, tu vas vite trouver. Hein. Parce que il a tout fait quand il est arrivé au gouvernement. Il a tout fait pour faire effacer toutes ces traces-là de sa scolarité dans l'école alsacienne. Et il a pensé que ça a marché. Il a cru que c'était bon, ça y est, donc il peut sortir comme ça, faire le mec, l'acteur, faire croire que c'était lui, l'harceler. Ah bah c'est pas vrai. Eh, il y a une chose que vous oubliez, les gens, et je le dis à ça, tiens, entre guillemets, faites attention à ce que vous postez sur Internet, que tu sois jeune, moins jeune ou vieux. Faites attention à ce que vous postez sur Internet. Vous pensez qu'un jour ça va s'effacer? Non, Internet n'efface rien. Internet te fera toujours ressortir la moindre chose. Bah, la preuve, tous les messages où lui harcelait les camarades, pour le coup, ils sont là, tu vois. Pour le coup, il harcelait beaucoup. Bref, je te fais cette vidéo pourquoi? Pour te dire de faire attention. Une fois de plus, l'outil médiatique qui est la télévision, en l'occurrence là, la première chaîne nationale, la première chaîne d'Europe, parce qu'il paraît, TF1, se servent de nous, nous racontent de belles histoires pour que nous, aillons dans le sens qu'ils veulent qu'on aille, tu vois. Mouton, attention. Après, chacun pense comme il veut, tu vois, je le dis tout le temps, chacun est libre de penser comme il veut. Mais je trouve ça indécent et dégueulasse quand, et j'en suis sûr, TF1 et les journalistes de TF1 savent la vérité, savent que Gabriel Attal est de loin, hein, il n'a pas été harcelé du tout, bref, je me suis remis dans mes mots, on s'est compris. C'est l'inverse, c'était lui l'harceleur, c'était lui le bourreau. Bref, tu vois, retournement de trucs. Le pourri qu'on fait passer pour le bon qu'on fait passer pour le pourri, l'inversement des valeurs pour ceux qui sont croyants. C'est un truc de fou, c'est flagrant, ça pète aux yeux. Tu vois, c'est ouf, je comprends pas, moi. Bref, tu vois, je vais pas en dire plus, ça sert à rien. Si tu veux vraiment savoir qui est Gabriel Attal, bah, recherche sur Internet. Internet n'oublie pas. Internet te ressortira tout ce que tu veux savoir. Voilà, c'est quoi le gouvernement de cette personne qui nous représente, voilà, qui est censé représenter les Français. Voilà, c'est l'indécence à son paroxysme. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Fini. On est de la chair à canon. Ils n'ont rien à faire de nous. Comment, en direct, sur la plus grande chaîne nationale, la plus grande chaîne française, la plus grande chaîne européenne, je sais pas quoi, là, comment ils peuvent mentir comme ça, tu vois? Comme quoi, Malcolm X, il avait raison. Tu vois. Et ouais. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je te fais cette vidéo parce que je trouve ça... Jusqu'à quand ils vont se foutre de nous, quoi? Et jusqu'à quand bon nombre de gens vont continuer à se laisser berner par ce petit écran, les journaux, les journalistes, la presse écrite? Il y a encore de bons journalistes, heureusement. Il y a encore de bons journalistes dans la presse écrite. J'ose espérer et j'y crois encore, heureusement. À la télévision, je pense que c'est fini les bons programmes. Il y a peut-être encore, et je suis honnête, Arte, qui te passe de bons reportages. Tu as des chaînes comme ça sur le câble où tu as des bons reportages où tu apprends des choses. Géographie naturelle, je sais pas quoi là. Géo, je sais pas quoi. Oh, bref, merde. Les reportages sur la terre, sur les animaux, reportages animaliers. Bref, il y a des belles choses encore à la télé. Mais malheureusement, c'est de moins en moins. Et ça, c'est de plus en plus triste. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement. Et je te dis bientôt pour une prochaine vidéo. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas comme ça berner tout de suite par une histoire parce qu'elle peut paraître belle. Enfin bref, je vous dis à bientôt. Ciao.